Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. L'adresse là-bas, habite là-bas la prochaine fois. Quoi? Ben, à chaque instant là-bas. Ben, Madagascar est grand, donc on a beaucoup de choses à visiter, à faire voir, à faire connaître de vous. Et là, aujourd'hui, nous amène un camarade avec nous. Nous amène un camarade, un grand allon Calix. Calix? Ben, il aime Madagascar, lui. Ben. Donc comme il connaît beaucoup de choses aussi là-bas, là, peut-être qu'il va montrer à nous deux, trois affaires. Ben, il est bon alors. Ah. Bon, Calix. Ça dit, il aime pas Madagascar, il connaît, lui. Bon. Elle a un petit cas en paille là-bas, au dos, le serpent couleur. Le petit cas en paille, oui, mais le serpent non. Ah bon, bon allez, nous ça va alors. Arrête en bas de foot. En bas de foot, oui, il y a un pique-nique là. Oui. Là, on est où là, la lagne? On est déjà en bas de foot. Oui. C'est ici le lieu que quand les gens partent à Tirabé ou Fenaratsu. On s'arrête un peu ici pour manger, pour faire les petits marchés. Ah d'accord. C'est un lieu aussi, un lieu pour les petites sorties familiales, le week-end et tout. Madame, si travaille en l'air. Lalane, tu as trouvé quoi là? Ce sont des vendeurs de fraises. Là, ils nous entourent. Ils nous entourent pour acheter les fraises. Est-ce que c'est sucré? On ne sait pas. Est-ce que c'est sucré la lime? On ne sait pas. Il faut goûter. Il faut goûter. Et qui goûte ici? C'est Jean-Claude. Ah quoi? Mon estomac est plus solide que les vôtres? Ben oui. Mon estomac est plus solide que les vôtres? Oui. Bon, ben allons là. On va aller goûter alors. Allez. Allez, on sort un peu. Tu vas goûter? Ouais, je vais goûter. Ouais. 3000 arrières, 3000 arrières. 3000 arrières. Ouais, mais banal, la mettre propre ça. Ah ben là. 3000 arrières. Ok, 3000 arrières alors. Oui, oui. Ah, 3000 arrières. C'est ça. Le téléphone. Ah, un assez. 3000 arrières, j'en ai deux. Non, 3000 arrières, ça bon. Parce que sinon, nous, ça pas mange fraise pendant toute une journée. Tu comprends? Hein? Comme c'est cher. On ne mange rien pendant. Ça qui est mal au ventre, ça va ça là. C'est bon, très bon. Ah non, merci. Ah, les fruits en plus. Tu manges pas toi? Ah non, hein. Pas fraise. Ben pas tout ça, tu peux le faire. Tu as mal au ventre? Non. Il a mal au ventre. Là, je me demande, il m'entoure. Non, il m'entoure toujours. Ah bon? À chaque fois que je sors, c'est moi qui. Mais qui ça le malgache ici? C'est toi? Malgache. On peut en batailler où là? Allez, on va voir là-bas. Ok. Azafada automobile là?
Mais ça vient d'où les fraises? En fait, c'est les fraises, les sont. Ça vient d'ici même. D'ici même les fraises. C'est eux-mêmes qui plantent les fraises. Il y a plein de vent. Et il y a des bibasses. Hein? Et des bibasses, ouais. Maman. Tu veux goûter les bibasses? Bah, on va prendre les bibasses aussi. Mais combien il faut le faire? Ah non, on va prendre et puis dans il la voiture, on va laver. Il les bibasses aussi. Ah, oui. Ah, comment il y a un autre lave paix? Cinq les Ah, ça, c'est une même, ça, hein? Il y a Comment il y a un autre dimanche? C'est un petit an, c'est un petit an, c'est un petit an. Voilà. Là, on négocie. Mm. Ouais. Alors, là, on négocie là? Ah oui. Ah, donc, 2000 arrières et ça descend à 1500 arrières. Ah, d'accord. On mange un boss début? Oh, c'est un joli boss, hein? Ah, il donne bien envie de manger. Hein? Ah. Mmh, un bon steak zébu là. Écoutez. Et on marche avec un malbar pour ça manger zébu, hein? Et ben là? Malba là aussi, mon zébi, mon pas zébi. Ah, mon pas zébi, moi, mon garde ou mon zébi. Toi, tu bois? Ah, mais bois pas rien, moi. Une boîte de lait, zébi peut-être. Non, je viens Malba et mon zébi ou? Non, non, pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. Voilà alors. Là, on est sur la route, on s'est arrêté un petit instant parce que c'est un petit endroit où on a beaucoup de ce qu'on appelle l'artisanat malgache, l'art malgache, mais l'art malgache spécialisé ici dans ces hauts plateaux de Tananarive et dans tout ce qui est cordage, on va dire tout ce qui est ficelle. Hein. Donc, tout est fait à base de ficelle. Donc, il y a des sacs, il y a des petits ne meurt rien. Ça, tout est fait à base de ficelles comme ça. Donc, on va aller regarder un petit peu comment ils font ça. Parce que là, il y a une petite dame à côté là, qui est en train de filer pour faire ça. Et tout ça est végétal, tout ça est naturel. Hein. On va faire la décoration du panier. Du panier? Du sac. Ah ouais, d'accord. Et ça c'est des fils de quoi, ça? C'est du raffia. C'est du raffia. C'est du raffia. Ah, d'accord. Et après, c'était teinté. Ah oui, c'est teinté. Pour faire un sac comme ça. Ah d'accord, pour faire le sac. Ah, pour faire la décoration sur le sac. Ah, ok. Ok. Combien de temps pour faire un sac comme ça? Bon, on a du mal, machin, parce qu'il parle pas du tout français. Bah, donc, machin. Ah, la lane, pas tu bats sur le carré, l'autre côté là-bas. La lane. Oui. Combien de temps elle prend pour faire un sac comme ça? Afrina, non, c'est un sac, ça. Une petite décoration tiède. Non, là, c'est le sac comme ça. Petit sac. Trois jours. C'est trois jours. Trois jours. Oui, la fabrication, c'est en trois jours. Mais c'est rapide quand même. Hein. Mais vu que les petits détails et la qualité. Calix l'amène sur Bietel. Et là, Calix l'amène sur Bietel. Et il y avait un modèle, ça. Il y avait que Banaï fabrique sur Bietel ici. Après, là, il commande en grande quantité, il ramène à La Réunion. Et il dit ça vend sur Bietel, La Réunion. Parce que, il dit comme ça, que comme là, sac plastique, l'interdit. Donc, de monde, quand ça fait des courses, il faut un sac. Hein? Et si tout le monde va faire son course à La Réunion avec son Bietel sur son dos, nous retrouvons un petit peu les origines d'un temps longtemps. Donc du coup, comme il n'y a plus trop de monde pour fabriquer le Bietel là-bas, eh bien lui, il va fabriquer son Bietel ici. Il y a même un modèle pour Banna. Hein? Alors, oui. Alors 20 000 aria pour fabriquer ça en une semaine. Une semaine, il faut pour faire un seul. 20 000 aria, c'est-à-dire 6 euros. 6 euros pour faire un Bietel comme ça et il faut une semaine de travail. Paraît-il. Hein. Il faut une semaine, ben, il fait non, ça. Non, mais après, il y aura 10 personnes, il fait 10 par semaine. Ben voilà, ah, non, mais il fait 500. Mais après, c'est un prix de départ, il dit, oh, comme ben, ça, il faut une semaine, parce qu'il faut vraiment que justifie la matière. Le prix. Hein, préparer la matière, prix. Tout ça. Ouais. On va passer à commande, peut-être. Mais bon, alors, ok. Ok, ben écoute. Mais tu vas faire combien? Beaucoup. 500, je vais faire. 500 pièces? Ouais, 500 pièces. Parce qu'il va vendre si ça à La Réunion après. Ah bon, si c'est 500 pièces là, c'est autre chose. On peut négocier là. Ah oui. Tu vois? Mais Calixte, il fait son business ici, il y a. Ah, avec lui là. Mon nom.
Allez, on discute avec lui. Discute avec la dame. Si on a besoin, 500 pièces. 500 pièces. 500 pièces. Tout ça. Ça, tu m'as négociation directe via Canal Austral pour la fabrication des BRTL à Madagascar. Et ça, c'est une idée de Calix. Hein. Nous sommes à l'usine de fabrication. C'est des machines. Ben, ils travaillent comme machines. Vous voyez? Ben, tu as un chapeau? Tu as juste ton chapeau? Oui, parce que là, c'est trop chaud. Hein. Bon, mais prends ton chapeau alors. Hein. Ça y est là, ça y est là. Qu'est-ce que tu veux acheter? Un sac. Un sac. Avec 7000. Allez, il fait 7000. 7000 arrière. Un sac hein? Avec plein de couleurs. 4 euros. Il aime bien les couleurs. Ah bon, 4,50 euros. Coloré. Lalane aussi, toi, tu aimes les sacs colorés. Ah oui. Hum? Mais ça, c'est pour les femmes. Ah oui, non, mais toi aussi, tu aimes un petit peu les couleurs, hein, j'ai vu. Ah hein. Oui, hein, c'est pour ça que tu as décoré le bureau de Canal Austral Madagascar. Oui, avec la couleur orange, blanc, noir, rouge, un peu de tout. C'est la couleur créole. Ah, bon. Et mets un petit coup de sac, on va voir si c'est joli. Ah, tarabé. Les plus jolies que BRTL Calix. Ah bon? Son petit BRTL aussi, bien BRTL. Mon BRTL rentre des litouski, des gros litouski que je bois tout. Ah. Les miens, ils rentrent des kilos bananes. Mais combien de chapeau? Mais combien de chapeau? Sorti avec le sac. Ouais. C'est bien. Ben, t'as un peu de couleur. Ben oui. De toute façon, chez Canal Austral, tu as une couleur. Voilà. Ben. On y va alors? Bon, là? Ah oui, c'est bon. C'est bon? Okay. Allez, il faut dire au revoir à tout le monde. Comment tu dis au revoir? Velum Daol. Velum Daol. Quoi, Calix, il dit là? Velum Daol veut dire au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. D'accord. Velum comment? Velum Daol. Velum Daol. Velum Daol. Va. Merci. Alors, le chapeau est joli? Ah, mon chapeau est joli, bien, bien mon petit chapeau. Ben là, il travaille ça, la main, elle est super. Quoi. Ben. Ah bon, alors, ok. Alors. Et la soleil ici, c'est moi? Il pointe bien, ben. On va essayer de voir, parce que moi, la main, elle touffe cheveux aussi. Donc, il faut m'y plier le cheveu, mettre dessous. Comme ça, il part bien la figure, comme ça. Là. Voilà. Bon? Voilà. Voilà. Oh, allez, ben. Place la nuit là. Hein? Moi, on place ma tête, tiens, le péric là, moi. Quel péric? Ah là là, Calix, il se prend maintenant perruque Simon en tête. Non mais c'est de coutume ici, vous connaissez à Madagascar, tout le monde met des perruques. Ouais, mais moi c'est pas les perruques, c'est mes cheveux. Ah bon, la tuer ça alors. Voilà, râle d'ici, Calix. Râle d'ici. Ah, m'a fait mal, t'as dit mais ça. Non. Ils savent pas. Là, il faut que tout le monde connaisse qu'on est à point un perruque ou notre vrai cheveu. Ben attends, tous les jours, vous dites que tout le monde comme ça met la perruque. C'est normal, tout le monde y croit en la perruque. Mais de toute façon, rose en même temps. Alors qu'on vient ici, tout le monde y prend au point malgache. Il croit avec quoi en malgache, il croit avec moi en français. Mais c'est pas grave, même s'il croit que je suis malgache, c'est pas grave. Mais j'ai pas perruque. D'accord. Voilà. Bon, ben d'accord. Alors, nous continuons là. Allez, hein? allons. Là, on va où là actuellement là? On est sur la route pour Ambatlamp, ouais. Avant d'arriver sur le lieu. Oui. Et on continue la route. Bon, Calix, c'est parti. Hein. Ah non, roulez. Hein. Mais Nenef, il me comprend pas, moi là. Et il roule, il arrête même pas mais un non, petit mais coup. Non, mais ouais, bah, là, je me rouvre la bouche dehors. Ah, t'es pas normal, ça, t'es. On a trouvé un petit pied de bois. Bah, voilà un petit pied de bois. Et ici, sur la route, la pointe, dis tout pied de bois. Pointe en Madagascar, dans la forêt, sur 10 ans, mais là, un bon pied de bois pour moi, boire un coup sur la route. Bon, on va trouver. Nous, on a rendu un petit paillot. Ça va? Les cheveux? Ça va. C'est le coin du foie gras où on peut trouver des foie gras. Bah, oui. Et on mange tout au foie gras ici. Tout le restaurant, c'est que du foie gras. C'est que du foie gras. Ouais. Et cuisses de grenouille aussi, on a vu. Hein. C'est le coin aussi. Toi, tu manges pas ça, toi? Non, je mange pas ça et donc je trouve pas. Ah bon? On peut se trouver du cuisse de grenouille.
tiens, la maison qui est en rouge là-haut, là, qu'on voit au loin là-bas, là, ça c'est la maison du foie gras. C'est la maison du foie gras. Ouais, on va essayer de faire un tour. On va essayer de faire un tour et on peut trouver quelque chose là-bas. D'accord, ok. On va attends, je vais demander. Ça va bien, Avingé? Avingé. Avi? Ounoua? Aïe, les missions les fans en boire dans les foie gras, les fans en boire dans les smiths. Iriambanes? 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 Là, ils cherchent une fabrique de foie gras et c'est que des restaurants pour foie gras. Hein? Qu'est-ce que le lieu pour la fabrication, c'est très très loin. Ah ouais? Qui n'est pas accessible par voiture. C'est loin. C'est loin alors. C'est loin. Uh-huh. Et là, c'est un restaurant seulement. Là, c'est un restaurant seulement. Restaurant foot, ça veut dire où? Si tu veux, ça va te tirer, vous savez? Bon. C'est le resto, ils exploitent. Ok, regarde, saute. Bon, ben, on y va alors. Saute! Saute, hein? Allez, si Gay, pas voir machin, c'est un restaurant. Ça, c'est un restaurant. Ben, ouais, ouais. Ben, nous, on voulait voir l'usine. Vous voulez dire l'usine que la voiture ne peut pas entrer. Inaccessible. Nous, Gay, marche à pied, mais il faut le temps. Ben, il faut le temps. Hein? Ouais, ouais. Ben, nous, pas le temps. Prochaine, là. La prochaine, là. Ben, nous continuons la route, hein, parce que de toute façon, il ne faut pas qu'on arrive en retard au. Famadine. Famadine. Ben, hein, le retour oui. Des morts. Hein, parce on a l'air respecté pour rentrer, pour tirer le mort, toute affaire. Hein, comme si c'est où ça tire le mort. Ben, nous-mêmes, ça tire Jean-Claude. La Padiao, Madame Adiao vient. Après, on boit. Tokagas. Tokagas, c'est le rhum, ça? Le rhum, ça. Ah, et... un rhum spécial pour ça. Ouais, il paraît que quand on fait la prière toute la nuit. Ouais. Si on boit pour danser un péché, peut-être. Ah, l'esprit arrive tout? Ah, il ne connaît pas ça. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure. Ah, ouais. Hein. Elle est bon. La teste, allez. La teste. La contester. Elle est bon. Matin idéal. Hein. Ah, ils allaient hans. Le matin et 4h. Ah. Ça, c'est pas le matin ni 4h. On fait une petite pause de la route. On fait une petite pause. Petite pause goûter. Casse-croûte. Pause goûter, ben. Pause tous les pauses, tout type de pause. Pause pipi, pause pipi. Pause pour faire portrait aussi, non? Merci. Il y a quelqu'un qui fait ce portrait ici? Ben, il ressemble pas bien ce moment. Un bout de la figure, un bout de la figure, oui, un bout non. Ouais, ouais. Mais il y a fait portrait ici, non? Aïe, aïe, aïe. Allô, mon portrait là? C'est un animal. Bon, t'as dit? C'est un animal. Allez, trappe portrait. Le fond me ressemble à un bonhomme. Ah. T'as mis ça trappe le portrait? Non, trappe pas, le vilain. Allez. Ah. Tu veux pas? Non. Mais t'es un dessinateur, c'est un artiste. Hein? Ouais. Non, là, c'est pas un artiste, ça? Qui? C'est l'artiste qui a, qui a posé. Ah oui, c'est un artiste. Alors. Ah, oui. Ouais, mais j'ai... T'as pas vu la photo? Mais quand même, c'était joli. Hein? Attends, je vais prendre. Il faut mettre ça dans un cadre. Ouais. T'as m'attrapé. Trappe. La lagne. La photo madame là quelle madame ça? Quelle madame ça? Madame Nila. Ôté vous avez vu une photo? Oui madame. Madame c'est quoi à côté? Hein? Mette juste à côté. Pas. Enlève lunettes là. Oui, ma bête à moi. Ouais. Enlève vos lunettes. Enlève vos chapeaux aussi. Ah. Enlève vos chapeaux. Ah, mon chapeau n'est solaire. Ah non, mais pas grave, c'est manine. Ôté. Ôté qui se comme la tête. Où la paix où? Dans moi là? Monsieur, là, je ne peux pas que ça y a regardé le zoo là, mais d'avoir la veine, le monde n'est pas possible. 5 minutes, 5 minutes pour faire ça. 5 minutes. Ouais. Il n'y a pas fait ça en 5 minutes, 2 minutes. 5 minutes, gaz. On peut toucher un peu ici, c'est bon. Bon, je mets sur Facebook. Ah oui, voyez. Il Facebook pas là. On y va, hein? On y va, hein? La prochaine destination, c'est dans la fabrication des marmites. Ah bon? Parce qu'on est presque... Pas de lampe. Bah, on fait un tour alors. Hein? Nous, on fait des plans sur la comète, nous aussi, tout le temps. Hein. Bah, oui. La comète, elle n'arrive jamais après. Non, c'est ben, comme le foie gras, ça. Ben voilà. Hein? Non, ben nous. Il dit, s'il gagne fait, s'il gagne pas, c'est tant pis. C'est à Madagascar comme ça. Hein. Et puis ce canal austral aussi. Hein. Canal austral. Rien n'est préparé, hein, ça va, à l'aventure. S'il trouve, il trouve, s'il trouve pas, tant pis. Tant pis. Simanine. Simanine.
qu'on ne mange pas la pain. Ah, moi, je mange la pain, ouais. Tu manges la pain où? Ben là, là, il y a dit qu'on ne mange pas la pain. Ah, où là, il n'aime pas la pain. Moi, je mange la pain, mais je préfère les cuisses de grenouille. Mais moi, je mange la pain. Ah, les cuisses de grenouille, c'est l'endroit où il y en a beaucoup plus de grenouilles aussi. Hein. Et là, là madame, ils vendent les lapins. Ah. C'est pour manger. Tu ne connais pas moi, allons aller. Ah. Allons aller. Allons aller. C'est pour la race. Ah bon? Calique, c'est quoi ça? Un petit lièvre blanc. Un petit lièvre blanc? Bon. Ah, ouais, c'est des lièvres ça, regarde les oreilles. Ah, c'est un lièvre? C'est un lièvre blanc. Ah bon? Ici, il y a un lièvre blanc qu'on n'est pas là. Donc, comment on reconnaît le lièvre et le lapin? Madame, là, j'aime ça, lièvre. Ah. C'est des lièvres, madame? Ah. Lièvre? C'est du lapin malgache. Lapin malgache? On appelle ça lapin. Ah, mais les oreilles, ils ont des oreilles de lièvre, hein? Là, des petits gris, là. Ah ouais? Là, des petits gris, ouais. Ils ont un petit lièvre. Ah ouais? Il est plus sauvage que les autres. Là. Où est le lièvre? 60 000, là, t'es 40 000. 40 000? C'est FMG. 8 000, non, 8 000 arrière et 8 000 arrière. 12 000 arrière. D'accord, 8 000 arrière, c'est. Ils ont mis pour la nanne. C'est 4 euros, 5 euros. Ça, c'est, là, c'est un mois et demi. Un mois et demi? C'est ça, bah, quand le patron fait le mange à la paix midi ou quoi? Mais mange à la paix midi ou quoi? Oui, allez, griller. Griller? Ah, griller? Laisse aller vivre donc. Ah, laisse aller vivre. Ah bon, allez vivre, à moins vivre pas. Non, à nous, va manger autre chose. Hé, hey, madame, il mange des reins. Sa caf. Ah! Poisson grillé. Poisson frite. C'est du poisson frite. Ah ouais. Mais pas poisson grillé. Tu vas. Va. Du riz. Ranva. Ah ouais. Ranva. Hein. Ah. Ça c'est riz Madame Rose. Pourquoi? Parce qu'il est rose? Ben. Ah bon? Madame Rose. Fais un petit coucou Madame Rose alors. Allez Madame Rose, coucou. Non, comme ça, même on appelle ça ici. Ah bon? Le riz rose. Hein. Le riz rose? Et hey, on continue le à goûter. Le riz rose ici, c'est cher. Hein? Ah oui? Le riz rose, c'est cher? Ah oui, c'est cher. Ah. En plus, c'est un riz qui n'a pas de composants chimiques. Ah bon? Surtout les engrais et tout. C'est bon. Hein? Ben, quand les gens mangent de moulou? Maman, dame, tu peux me goûter. Laisse-moi, là, mange son manger. Mange un passe au poisson. Hein. Mange pas au poisson, là, ça y est, son poisson. Mais bon, alors. Hein? On y va? On continue va? La route. Okay. Allez. Hé, hey, madame. Oui. Hein? Quoi fait, bonhomme? Ouvre un petit loto. Mais veut un vrai petit loto, là, pas un petit loto comme ça, là, monsieur. Un vrai petit loto. Un vrai petit loto. Mais attends, là, on a un beau petit loto. Là, on a un tas avec un paquet de petits lotos, on regarde. On regarde un coup. Elle n'est pas fabriquée, elle est peine. Des petites voitures, des petits camions. Des petits camions en bois. Mercedes. Ah ouais. Mais c'est plus vrai que vrai, hein. On a vraiment l'impression que c'est vrai, hein. Donc là, le Nostéen, la Tchagali, Madagascar, nous mène la route littorale. Ah ouais, arrête de faire cause de monde, je ne sais pas. On va faire cause encore de monde, on a passé la réunion et cause. Alors, vous avez vu comment ils fabriquent petit loto, petit camion? Non, ils ne fabriquent pas, ils peint. Hein. En fait, ils fabriquaient ailleurs et puis après, ils ramènent ici. Ah, ils ont aussi peint ici, après, voilà. Après, ils fabriquent ici, ils peint, là-bas, ils vendent. Ouais. Ah, tu es là. Au revoir. Ah, aussi, qui s'est dit qu'on mettait un linge à l'envers. Ben, maintenant, moi, t'as un truc de retournement des mots. Ce matin, je me réveille, quand ça l'arrivait, tout d'un coup, je me mets linge à l'envers et m'a rendu compte depuis rien que cet après-midi. C'est un signe. Donc. C'est un signe. Oui, oui. Peut-être. Moi, je n'ai pas superstitieuse. Mais vous connaissez quoi? Quand je la mets à l'envers, ben, je me laisse aller à l'envers jusqu'à ben, ce voilà. soir. À moi, mal bas, superstitieux. Donc, c'est un signe. C'est un signe. Comme ça. Change pas. Bon. De ben, toute façon, je ne m'a pas changé, je m'a la laissé. Tu ne retournes pas de linge. Hein? Non, je ne m'a pas retourné. Retourne pas. Il n'y a seulement la retourner. Retourner. Dans son dernier album. Il a retourné. Retourné. Ouais. Et ben voilà les petits camions jolis. Là on a un camion Ben Fresh, là un camion Ben Capron. Ouais. Camion Ben Caprice, THB, la bière. T'es complet ou là?
La ressemblance est impressionnante. Ouais, ben elle roule vite ici, hein. Fais attention, reste pas dans le bon chemin, hein. Ok. Joli. Ouais, c'est joli. Vous voyez combien coûte un camion? Ça coûte combien? Non, on dit coûte-t-il un camion? 100 000. 100 000? 20 000 l'aria. 20 000 l'aria. 20 000 l'aria. Ça fait 6 euros. C'est pas cher. C'est pas cher. Violon. Vous trouvez violon? Violoncelle, violon. Ah voilà. Et le grain c'est fait en cheval? Non. Il faut changer. Ça, il faut changer. Hein? Le grain pas bon. Le grain pas bon. Alors, quoi de plus beau dans une télé de musique, de trouver des instruments de musique qui pendouillent comme ça au fil des chemins. Hein? Les jolis jusqu'à. Ouais, les très artistiques, ouais. Hein? Ah ouais. On a de tout, on a des petits tambours et puis on a des guitares. Et puis après, on a le guitariste aussi. Hey, c'est mon sofa, Madia. Madia. Allez, Madia, mon sofa, Madia. Madia. Hey, mais ça danse un coup là, moi là, en transe. Calix, là nous arrête un instant, alors. Voilà. Comment va, Zef? Mais ça me sert pas ça, mais... Et rigolo, le monsieur, hein? Non, je ne comprends pas. Poulet? Poulette? Manzane? Manzane? La lame? Oui, je veux. Et là, tu veux un œuf? Non, merci. Donc là, nous prenons. Ah, moi-même, ça mange un Zef. Ça fait cuire un zèf? Ah, mais ça mange un zèf, moi. Tu vas te faire cuire un œuf? Vous ne voulez pas manger un zèf? Ah, il fait cuire un zèf. Qu'est-ce que vous faites avec une boîte de sardines? Ah, moi, je mange sardines. Vous avez mangé une boîte de sardines? Oui. Avec le pain. Avec le pain? Ah. Ok. C'est calé. Mais là, on arrive dans les carreaux de bois. Et il y a un monsieur là-bas, il vient vendre où? Du poulet frites. Oui, poulet frites. Poulet frites. Moi, il est là, dis-moi, moi, la tête. La tête, là, mort pas. Mort pas? Là, non. Parce que moi, je fais que la tête, mais moi. Elle m'a acheté dans le chemin, moi, pas la tête. Moi. Et pas dans le chemin, il y a un carreau de bois. Un carreau de bois. Bon, là, bon, hein? Bon. C'est bon? T'es où, mon sou, ça fait ici où? Bon, oui. C'est bon? Ah. De l'huile, je perds un petit peu, mais. Ouais. Ah, ça, le papa. Mariage marche à pieds. Mariage ici, hein? C'est la saison des mariages là. C'est samedi, c'est le jour de mariage ici. À ah ouais, donc. Et ils ont pas de voiture donc? Non, c'est une question. Ici, on est déjà dans la zone rurale. Ah ouais. Ah oui. Okay. Oui. Ah, regarde les nouveaux mariés, comment ils sont. Ils marchent à pied. Il y a vite trois mariages. Je veux dire ça. C'est un signe. Et là, ici, on divorce beaucoup, bien on divorce ah pas oui, beaucoup. On divorce beaucoup ici à madame. On divorce beaucoup. Ah oui, beaucoup les gens qui veulent marier, mais beaucoup aussi qui vont demander leur divorce. Ah ouais, ah oui. Donc, une chose est sûre, oui. Que à Madagascar, à La Réunion et autre part ailleurs, c'est exactement pareil. Hein. Ah bon? Ah, les gens se lient et se délient. Oui, c'est comme ça ici à madame. Voilà. On a même qui se marie un an après, c'est la fin. Ah ouais. On se demande pourquoi. Raté, pas raté. Vive le mariage.
Ça y est, c'est bon, on est arrivé là. On est arrivé et ouais. La banane est sur la route. Ouais. Ah non, mais viens. Bacalux, nous voilà. Oui. Ah là là, démarre là. Il démarre. C'est la fête, hein. C'est la fête. C'est la fête. C'est une fête, hein, en fait. Oui, hein. C'est une fête familiale. Ouais. Et là, ils sont en procession et ils vont aller vers les tombeaux, hein. Voilà. Hein. Ok. Hey. C'est bon alors. C'est bon. Tu rentres dans le tombeau. Rentre dans le tombeau, m'y connais pas, mais regarde de loin. Et ben elle danse tout à l'heure. Danse, c'est la fête, hein. Ouais. C'est une fête, on dirait. Bonjour. Ça va bien. Ouais. Ouais, ça va. Ah ouais, on vient d'arriver. Ça va. Et là, ils vont aller au tombeau là. Oui, là, il va y aller sur un tambour, là, il va passer... C'est loin? Non, non, juste à côté derrière. À côté. Ah ouais, là, c'est peut-être un peu plus grand, puis là, t'as peut-être 400 mètres. Ah, 400 mètres, d'accord. 400 mètres, je vais passer avec ça. Et là, tout le monde danse, là, j'ai vu. Mais là, tout le monde danse, ils sortent là-bas de la maison pour faire de... Pour y aller à l'enrôlement. Ah, d'accord. Pour la fête, on danse comme ça. Ouais, c'est bien. Ah, ouais, ok. On a fait mal de ça, là. Ok. Ah, ok, c'est ça. D'accord. We'll be right back.
la fête parce que ils ont dit ça va. Ça va. Retourner mort. Voilà, ça rentre dans le tombeau. Voilà. Et ça en reprend le mort. Hein. Donc c'est un membre de la famille. Voilà, et donc ça a fait la fête. Et ça réhabille le décédé. Voilà, c'est une tradition et ouais, apparemment ça t'y prend ça tellement à cœur que regarde, ça, toutes les contents, ça les joyeux quoi. Ouais. C'est vraiment une tradition. Hein. Ah ouais. Des fois c'est un peu difficile à comprendre, mais. Bon, si notre grand-parent et parents l'a fait ça, certainement que ben, c'est quelque chose d'assez fort pour ça, certainement. Yo. Ah oui, c'est la fête de l'alcool, du rhum, de la bière. Tout. C'est la fête, hein? Sota! Ah, Sota! Ah, ok! Ouais, dis bienvenue! Ah ouais! Damanza. Hein? On va pas afficher l'alcool quand même. On va pas boire de l'alcool. Non, on va pas boire de l'alcool. Tu vas boire de l'alcool? Oui, après. Lala dit qu'il faut pas boire de l'alcool. Ben si Lala il dit qu'il faut pas boire, il faut pas boire. On va faire pour danser si on ne boit pas. Parce qu'ici pour danser, il faut boire. Hein. Ah, ouais. On laisse les autres. Si l'esprit n'arrive pas aussi, on regarde. On regarde. Il y en a aussi des pistaches qui sont encore dans. Dans les coques. Dans les coques. Ouais. Voilà. Ben là, on est arrivé au tombeau, là. Ouais. Hein? Allez, à où? Viens pas où? Allez, à où? Les enfants, ça va, nous? Allez. Ils trouvent bien, nous, pas grave? Oui. Mais bon. Attends.
mettre la bière sur photo. Ben d'ailleurs pourquoi. Ah. Là, on est à l'intérieur du tombeau, là. Hein? Même ça, direct en haut. Pas dans bonne. Ah, là, là. C'est là. Là, ouais, c'est là. Là, on arrive, là. Ouais. Ah, ouais. C'est là. En l'air. Tu montes en haut. Monte, ah, oui, on monte en haut. Non. D'accord, monte, Calix. Attends. Là, 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 les bons, là, ils voient, là. Ah oui, là, ah ouais, et ça c'est des corps qui étaient déjà retournés, ça. Oui, oui. Et les corps qu'on vient de voir tout à l'heure, eux ils n'ont jamais été retournés. Aujourd'hui. 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 Mais l'action est ici chez vous. Oui. Oui. Ah d'accord alors. Ah, oui. Mais on laisse là, on ah, oui. Sort pas dehors avec. Partout, hein. Partout. Partout. Hein? Ah non. Faut bien. C'est mis. Hein? Vous êtes ici là, 27. 15 restes sur 27 la et moitié, le reste va sortir. Parce que la moitié, alors, 12, que la moitié, 12, la moitié 12 va partir. Sort, hein. D'accord. Ah d'accord. Oui. Et dans le tombeau, on voit il y a des petites aérations là, ah, comme oui, ça là. Il y a, c'est il pour a, la lumière. Hein. Aération, aération, là, il... Donc c'est toujours éclairé dans le tombeau ah, aussi. Oui, hein. Il a éclairé. Ah d'accord, alors ok. Ok, ok, ok. Et là, les plus jeunes morts, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est, donc, c'est, les filles. Hein? Ça, ça du côté c'est ça. Filles. Oui. Ça, filles. Les, ouais. Filles par ici. Ouais. Les filles d'un côté. Les filles. Les ici. Hommes de l'autre côté. Hein? Ouais, ouais, c'était moi. Et les hommes. Ah, ok. Ouais, ouais. D'accord, alors, ok. Ouais, pardonnez-moi. Il est... Et là-dessus. D'accord, ok. Là-dessus, il n'y a rien. Là-dessus, il n'y a rien. Ouais, ouais. Ça c'est vide. Ça c'est vide. Bon, quand il faut qu'on sort parce qu'ils vont entrer pour ensuite récupérer les corps. Hein. Ça c'est vide pour l'attente de la prochaine morte. Ah, d'accord. Ok. Ça t'a tout. Ça t'a tout. Bon. C'est vous les messieurs. Ok. Ouais, c'est bon. Attends le rhum, mais son mal, allez boire. Allez boire. Donc là, il boit. Puis, il faut tourner là. Ouais. On va aller boire pour lui, là. Ah, d'accord. Ouais. Ah. Allez, bois un petit coup. De toute façon, à moitié vos caméras. Bon, allez, bon, allez, bon, allez, bon. Ok, ok. Je vais dire pas vos caméras. Viens là, pour vos caméras. Attendez, bois un coup. Débouche là, débouche là. Allez. Allez. Bon, Calix, dans un instant, les corps vont sortir. Ah, je pense que ben, là, il tarde pas pour sortir. Ouais. Et ben, nous allons voir comment il fait. Ah, il paraît que là-dedans, dans le tombeau, là, il y a 27 corps. 27. Dans les 27, il y a 15 qui restent. 15 qui restent. Et 12 qui sortent. 12 qui sortent. Et 12 qui. Dans ces 12, il y en a qui sont déjà sortis de les années auparavant. Auparavant, oui. Et d'autres, d'autres la première fois. Allez, ouais. Ouais. D'accord. Donc on attend un petit peu alors. Hein. On attend des petites minutes, mais après ça sort. D'accord, voilà. Ok. On va faire des discours en haut, mais après il va ressortir en bas. Après il va sortir en bas. Voilà, comme une prière quoi. Hein? Oui, allez. Mais on va entendre le discours ou bien il faut le discours. Il faut le discours d'abord. Il faut le discours d'abord. Ouais. Ouais. Okay. Pour les ancêtres. Nous on peut entendre parce que nous les signes sont en haut. Ah d'accord. Voilà. Okay. Première panique. Ouais, ouais. Viens danser avec nous. Mais non, mais c'est la tradition. Là-haut, t'as fait le rond-point. On va pas le rond-point.
là, c'est la fête de pays à midi. Ouais. Moi, Jean-Claude, je connais une affaire où là ouais. On a un petit peu le boulot mort là, de mon bouche, moi là. Ouais. Sans lui là. Sans lui. Le pays à midi. Le pays à midi, là, tu es de cochon. C'est fini, pas donné toute la nuit. Mais vous êtes fatigué là, non? Si depuis hier soir, vous n'avez pas dormi? Non, pas du tout. Fatigué même ouais. Vous avez tué deux cochons. La tensée, moi. Ouais. Ah oui. Elle a tué deux cochons. Deux cochons. Et comment on a fait cuire ça? Ah, ben, elle a fait cuire avec de l'eau. Oui. Et après de l'huile. Oui. C'est ça qu'on appelle les farbe menaka. Ah, d'accord. Beaucoup d'huile. Farbe menaka. Ah, ok. Voilà. Mais on attend. Sauter, ne mange pas. Pourquoi pas venir? Ah, parce que hier soir, on a dormi. Pour être en forme aujourd'hui. Ici, sur les tambours, c'est notre grand-grand-grand-père. Grand-grand-père. C'est lui qui est le grand-grand-père, c'est lui qui est le tombeau et le quartier. Ah, d'accord. Alors. Et toute la famille là-dedans? Toute la famille. Ah, d'accord. Ils sont 27 enfants. 27, ils ont dit. 27. 27. 7 enfants. 7 enfants. D'accord. Donc, 7 au total dedans. Voilà, dedans. Ouais. Ouais. Hein? Et depuis toujours, on a fait le redouanement des morts ici? Tous les 5 ans. C'est tous les 5 ans, tous alors? Tous les 5 ans. C'est une fois tous les 5 ans? Voilà. Tous les 7 ans. Non, 5 ans maintenant. C'est 5 ans maintenant? Je suis en retard. Alors, je suis en retard, alors. Parce que tu habites à La Réunion. Non. Hein. Moi, je suis originaire ici et c'est ma soeur, ça. Ah oui? Mais c'est elle en retard. Hein. Ah bon? Tous les 7 ans. C'est défaut. Et après, on a changé tous les 5 ans. Parce que les enceintes de foie, on demande, on est froid, il faut changer les. Ah, parce qu'ils ont froid alors. Voilà. D'accord alors. Okay. Et la couleur, le rouge, le blanc. Ça c'est la couleur de la joie. La joie. D'accord. Alors. Donc on est content. Bien les pharmaciennes, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ma grande sœur. Ta grande sœur? Oui. Ah bon, et la couleur est importante? Non, c'est pas. Oui, ben c'est la couleur, oui, des couleurs vives en fait. Hein. Des couleurs vives, d'accord. Qui expriment la joie. D'accord. Et par contre, quand on va enlever le corps, là, il va être dans un linceul blanc? Oui. Dans un tissu blanc? Oui. C'est symbole de pureté aussi. Ah, c'est symbole de pureté. Et après, il y a un saisie, on appelle ça chez nous. Saisie. Les nattes. Combien en dessous? D'accord. Hein, et après, on va danser avec le corps à l'extérieur. Voilà, avant de le remettre dedans. Après, et combien de temps on va prendre pour danser? On va danser pendant combien de temps? Pas une nuit encore comme hier soir. Non. Vous avez fait la fête toute la nuit, vous. Non, hein? Non. Depuis 2h du après-midi jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube? Ouais. Ah, vous avez fait la fête hier soir? Après, le matin, on va préparer de manger, tuer les deux cochons. Ah. Après, on va manger toute la famille. D'accord. Ouais. À quelle heure vous allez rentrer le corps dedans après? Non, après tout de suite quand on finit le nouveau tissu. Oui, à peu près. Ouais, d'accord. Okay. Et cette tradition-là est en train de se perdre ici à Madagascar? C'est en train de se perdre, mais bon, je pense qu'il y en a qui veulent le réanimer aussi parce que c'est très. Ah, je crois qu'il y a le discours. Ah, il y a le discours. Ok. Arsandinga, Matunganai, Matungachik, Ulas of Sainana, Famatu, Tungam Jovanan Joa, Denun Fitaina, de Sambula Firnaineto, Ishikamena Kavi, Kodia, Sayalundarn, Duklu, Soran of Ulul, Manarakarak San. Là, il a dit le nom de tous les. Il a dit le nom et chaque famille le nom qui va rentrer. Ah, chercher le. Ce, d'accord. Donc c'est par famille alors, hein? Voilà, par famille. D'accord. Ouais. Okay. Là, Calix sont en train de discuter pour l'ordre, pour savoir qui entre en premier. Ouais, ouais. Oh, c'est ça, parce qu'en fait, c'est plusieurs familles, oui. Et donc chaque famille décide de l'ordre pour rentrer dans le tombeau, pour prendre le corps, pour partir. Ouais. Hein? Sérieux? Ouais, donc là, ils sont en train de discuter, de négocier presque. Négocier. Ouais, négocier. Voilà.
Ben là, on négocie toujours là. Négocie ouais, pour enlever le corps dedans. Oui, parce que comme c'est plusieurs familles, donc c'est à celui qui va prendre le premier. Et tout ça. Ouais. Ben on attend. On attend. Hein. Ouais. Comment se bouscule quand on est là-dedans? Ouais. Donc, et donc l'organisateur a pris la décision de prononcer chaque nom, ouais, chaque ouais. nom du défunt, et ainsi de suite la famille va entrer là-dedans. Ah, il faut le changer. Voilà. On est entré, hein? Ouais, là, il est en haut. Ah, il s'est attiré. Il est en haut par ici? Ouais. Il faut y tendre, ça. Il faut y tendre, ça. Les tamarins, ils vont se mettre à la fille, ouais. Rita. Et c'est sûr que c'est lui, hein, on ne trompe pas normalement. Hein? C'est sûr que c'est lui. On, ah oui, on c'est sûr c'est pas, lui. Ah oui. Généralement. Hein? Parce que nous avons déjà fait. Ah, d'accord. Ah, oui. D'accord. Ah, d'accord. Ah, C'est la tradition malgache, hein? C'est la coutume malgache. Ben la banane passe la main ici, la pipe à tout. Caresser quoi. Ben rechauffe aïe là. On peut aller un petit peu comme vous pleurez, mais il ne plaît pas quoi. Ah d'accord. Il ne plaît pas, il sent dedans, il caresse un petit peu, il tousse un petit peu, et après il va rouler.
Ah, ok. Là, il va sortir quoi là, là il y a sa famille qui sortit là. Ah ouais. C'est la grand-mère, après, il sera le frère. Il va sortir quoi après. Oh, tu t'es un grand histoire. Ils sont 12. Ben, les 15, peut-être la fois 5 ans, parce que tous les 5 ans, il fait le retournement. Uh-huh. C'est pour ça. Alors, Nila, c'est impressionnant? Ah oui. Il faut, comme dit, il faut être habitué pour regarder, pour Calix, c'est fort, lui. Moi, Calix, ça porte le corps à l'intérieur du tombeau, lui. Hein? Ben, ah ouais. Oui, mais m'attrape un petit bout en l'air, comme ça. Mm. Ben. Mais on préfère regarder de loin. Là, pour la vie banale, tout, quand ils mettent à terre comme ça, tout il vient mettre à genoux, passe la main sur le mort là, il ressent faillite. Ah, un peu fait semblant de pleurer. Un peu pleure vraiment. Un peu pleure vraiment, mais un peu les voix les tristes. Eh oui. C'est une tradition, hein. Oui, c'est une tradition. C'est la tradition. Mmh. Voilà. Mais comment on dit Madina? Famadine. Famadine. Famadiana. Famadiana. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est une question d'habitude. Ah, ouais. Il faut être habitué pour assister à ce genre de festivité. Ouais, ouais. Mais, ok. Bon. Retournement des morts. Donc on retourne les morts. Réchauffement. Réchauffement. Parce qu'il fait froid, soleil au plateau. Ben. Donc du coup, le corps aussi, il a froid. Mmh. Donc il faut l'enlever du tombeau. Mmh. Pour le rhabiller encore. Hein? Au moins comme ça, il n'a pas froid ensuite. Pendant les 5 années qui suivent. Mmh. Voilà. Ben, la fête continue. Là. Parce que c'est une fête. Ah oui, c'est une fête. Vous savez, les tombeaux, ils sont jolis. On dirait des maisons, des vraies maisons. Hein? Mm-hmm. C'est des vraies maisons pour les morts, ouais. Pour les défunts. Ouais. Parce que pour eux, c'est comme si ben, le corps était encore... L'âme il vit encore, vivant, l'âme voilà. Est encore vivant. Voilà, donc il met dans une vraie maison. Voilà, une vraie maison. En général, c'est presque fini. Oui. Ce qu'ils vont faire après, c'est faire. Entre le corps à l'intérieur. Là, ils l'ont remis dans le nouveau vêtement. Ah oui, dans le mauvais vêtement. Ils l'ont attaché. Dessus. Voilà. Et tu m'as dit qu'ils attachent avec de la ficelle qui est faite avec le linceul, avec le tissu. Il y a un nombre de 8 ou 7, ça dépend. Pour enfiler, pour que pour attacher la table, oui, pour que le corps ne soit pas oui, pour que soit bien enveloppé, soit bien quoi. Hein? Enveloppé, que voilà. Le corps n'a pas froid pendant voilà, l'hiver. Voilà, voilà. Hein? Donc, ils vont remettre à l'intérieur. Ils vont remettre à l'intérieur, mm-hmm. Et après, il y a encore une festivité familiale pour clôturer la fête. D'accord. Voilà. Bon, ben nous, on va partir on alors va partir. Parce qu'on a de la route à faire. Ah, oui, on va rejoindre Tana. On va rejoindre Tana. Ok, alors, allez, on part. Et voilà, notre émission voisinage est finie. Nous sortons de Tana, nous les passons à Antan Foot pour filmer un petit peu la tradition des personnes ici où Zoti fait un petit peu le retournement des morts. Donc nous l'a filmé, nous l'a vu un petit peu comment Zoti vivent un petit peu cette tradition-là que Zoti tient à cœur et qu'il faut respecter d'ailleurs. Et bien nous remercions tout le monde, hein, nous l'a fait un petit peu le tour, nous l'a visité un petit peu partout. Ben, nous remercions tout le monde d'avoir voyagé, fait vivre à nous un petit peu Zoti culture. Zoti tradition. Et nous retrouvons bientôt sur Canal Austral et sur Piment TV dans l'émission Voisinage.
vous a été proposé par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.